When you borrow money, quand vous prêtez de l'argent, you become a slave to the person you borrow. Quand vous empruntez de l'argent, vous devenez esclave de celui qui vous a prêté l'argent. And that's why I keep saying. Voilà pourquoi je continue toujours. Do not borrow money from your pastor. Faut pas emprunter de l'argent de votre pasteur. Because when you borrow money from your pastor, parce que quand vous les empruntez de l'argent, the church will lose you. L'église va vous perdre. If you can't pay that money. Si vous ne pouvez pas rembourser cet argent, because you start running away from the person that you borrow, the pastor that you borrow. Vous allez commencer à esquiver le pasteur qui vous a prêté de l'argent. And the pastor shouldn't borrow money from you. Et là, le pasteur aussi ne doit pas emprunter de l'argent de vous. Because the day you don't pay that money, parce que le jour qu'il ne va pas, pay that money, il va pas payer cet argent. You will never hear his message. Vous n'allez jamais comprendre son message. You liar. Un menteur. The pastor is preaching, I said, you liar. Il est en train de prêcher, quand tu es là, tu dis menteur. You were supposed to pay my money yesterday. What happened? Tu devrais payer mon argent hier. Qu'est-ce qui s'est passé? What you are preaching, you cannot do it. Même ce que toi-même tu prêches, tu n'arrives pas à le faire. I will not come to this church again. Je ne peux plus venir dans cette église. That's the danger of borrowing from your pastor. Voilà le danger de prêter l'argent au pasteur. Il faut prendre soin au pasteur. Don't be borrowing money. Faut pas les prêter l'argent. Get the point? Est-ce que vous comprenez? That's what made me go down. Voilà ce qui détruit les ministères. That's what kills the church like this one. Voilà ce qui tue les églises comme celle-ci. When they are carelessly borrowing. Quand nous sommes en train de prêter de gauche à droite. Carelessly borrowing. Quand nous prêtons de gauche à droite. Send me 5K. Pardon, envoie-moi 5K. Je vais te donner le soir. You're lying to your pastor. Tu écris cela à ton pasteur. Send me 10K. Pardon, envoie-moi 10 000. You are supposed to give money to your pastor. C'est toi qui devrais lui donner de l'argent. You are asking for 20K. Tu lui demandes 20 000. Something is wrong with you. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. He feeds you spiritually. Il vous nourrit spirituellement. As he said more to you. Et il vous envoie encore de l'argent. Some of us are specialists in K. Certains sont spécialistes dans le 2K. 2 000 seulement. 5K. 5 000. 10K. 10 000. 20K. 20 000.